2024 Olympic team in the West. Opposing Cruise from Morocco versus Dandy Sporting Club from Central African Republic. With movements, Dandy Sporting Club presents for this game. Number 1, Eva Manapalo. Number 2, Gabriel Maxis Kuto. Number 4, Bishan Wilson. Number 7, Alex Kuhn Sister. Number 8, Yasser Kamayege. Number 9, Elise Dongo. 15, Rony Tula Ngaga. Number 22, Fiskate Max Gay. Number 24, Emmanuel Manuel. Number 26, Metzel Nabai. Number 35, Dini Girabai. Number 84, Omega Ngaise. Head coach, Lee Sims, assistant, Ben Sire. Number 1, Devante Jordan. Number 3, Ayub Mouli. Number 5, Achopayi Jawa. Number 6, Abidjan Basketball. Number 7, Mohamed Amas. Number 8, Pierre Benyou. Number 8, Mapet Zouika. Number 15, Ayub Jawa. Thank you.
Devante Jordan, le meilleur de jeu. Je n'oublie pas Zuita Abdelhakim, le numéro 11, très expérimenté. Restez connectés, mesdames et messieurs. Début de la rencontre. Dans quelques secondes maintenant. Vous noterez que Bangui Sporting Club évolue en bleu. Paré de rouge. Et FUS de Rabat est en blanc, paré de rouge également. La colonie centrafricaine est présente dans les gradins pour donner de la voix, comme c'était le cas hier, porte son équipe vers la victoire. Yaoundé Bangui est plus proche que Yaoundé Rabat. Vous comprenez pourquoi une grosse communauté centrafricaine est présente ici. Et les consignes justement sont données, pas de sifflets dans les gradins pour éviter une confusion avec ceux des arbitres. Le top départ du match opposant les deux vainqueurs de la première journée, FUS de Rabat à Bangui Sporting Club. Les deux équipes ont le projet de sécuriser leur qualification pour les demi-finales de cette compétition éliminatoire à la Basketball Africa League. Et à l'instant, le premier panier, premier coup de tonnerre, ultimatum de Bangui, signé du 35 Jim Rabai. Belle animation dans les gradins. Ah ouais, bien joué. Et c'est autour de Emmanuel Malou. Emmanuel Malou, oui. De signer ce jump shot. Belle entame pour Bangui pour l'instant. Aliou Diarra qui se fait contrer. Aliou Diarra obtient la faute. Plusieurs tentatives manquées et heureusement une faute pour se faire justice. Aliou Diarra, le meilleur joueur défensif de l'année 2023. Lui qui a terminé justement 3e à cette compétition. Il joue avec le Stade Malien. Nouvelle recrue de cette équipe. De FUS de Rabat. Merci.
et c'est lui qui ouvre la marque pour Fus de Rabat qui inscrit ainsi son premier point. C'est à Soufiane Benmin que revient la lourde tâche de défendre aussi Evans Ganapamo. Ah ouais, Evans Ganapamo, un joueur à suivre. Il réussira le contenir. Deuxième meilleur marqueur de la première journée contre Slack de la Guinée. Avec, me semble-t-il, 20 points. Avec 25 points, il a terminé deuxième meilleur marqueur derrière Christopher Hutt du Slack. Soufiane qui réclamait la faute antisportive et qui l'a obtenue. C'est le critère C3 sur la faute sur la transition. Evan Ganapamo qui a essayé d'empêcher Soufiane de lancer sa contre-attaque. Et coupe d'une faute antisportive. Ah ouais, lancé Franck. Le Soufiane Benmin. Premier lancé réussi. Lancé franc réussi. Les trois points de Fus n'ont pour l'instant été marqués que sur lancé franc. Après 2 minutes de jeu. Salutations à tous qui nous regardent du côté de Rabat. Petite bataille dans la raquette entre Zuita et Max Ouguéré. Soufiane, Zuita. Pour le meneur. Zuita. La pénétration. Et Fus toujours aussi patient dans ses attaques. Sortie de Evans Ganapamo au profit de Roli Foula, le Congolais Roli Foula de Bangui Sporting Club, crédité également d'un bon match hier, qui a terminé la rencontre aussi un magnifique dunk. Absolument, la série sur le gâteau. Bon offensif pour Fus. On a bien trouvé. Alors, la tente de fois avec Aliou Diarra. Dibanté, le meneur.
tir à 3 manqué. Rebond pour Borghi Sporting. On peut se relancer avec. Alors, super. Bijan Johnson. Bijan Johnson, oui. L'Américain. Aliou Diarra, Dibanté. On cherchait la raquette. Magnifique. Ah ouais, premier d'action de la clé. D'action d'éclat pour Fus de Rabat. Et c'est signé Ayoub Nohi. En effet, ce panier est dû à la défense qui a pêché. C'est une défense individuelle. Ils ont suivi le ballon, ils ont lâché leurs joueurs et on se retrouvait avec deux joueurs, deux possibilités de tir. Et Fus n'a pas hésité sur cette action-là, sur cette opportunité. Super. Signé du 24, Winston Shepard. Non. Emmanuel Malou. Oui, c'est plutôt Malou. Alors, temps mort pour Fus. Les joueurs de Fus qui sont gênés par la défense de Borghi Sporting Club. Ah ouais, c'est une entrée difficile. Et là, 5 points marqués du côté de Fus, 3 sur lancé franc. Un tir de 2 sur layup. Ah ouais, sur layup. Ça montre bien la difficulté. Alors, l'agressivité de la défense de Borghi Sporting Club. Et de notre côté, Borghi bénéficie d'une belle adresse. Ah ouais. Pour le début de cette rencontre. Déjà 12 points au tableau d'affichage. Salut à tous qui nous regardent du côté de Borghi, la capitale de la RCA, République centrafricaine. Président Faustin Archange Touadéra. On obtient deux lancers francs. Les lancers manqués de début de rencontre se payent souvent très cher à la fin. Au moment de faire la comptabilité. Johnston. Alors le très expérimenté. Et Aliou Diarra en seconde chance. Après la première tentative de Zuita. Violation de marché. Ah oui, sortie de Aliou Diarra. Chisson qui fait son entrée. Et son entrée.
dans cette rencontre à la place d'Aliou Diarra. Une équipe totalement remaniée, l'équipe de Fus de Rabat, avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs. Et Jadon Devante qui s'en sent moins bien aujourd'hui qu'hier. C'est manqué. Il a tenté à distance. Jimmy Rabaï. Alors la pénétration de Banté, c'est encore manqué. Ça manque beaucoup de réussite et d'efficacité, contrairement à la rencontre contre Abidjan Basketball Club. En effet, les rencontres se suivent, mais ça ne ressemble pas du tout. Ah oui, on semble avoir mis beaucoup d'énergie hier. Et le match contre ABC, mais attention, on ne va pas se livrer à des conclusions hâtives. La rencontre ne fait que commencer. Il reste encore 3 minutes 58 dans ce premier carton. Ah ouais, ça bouge beaucoup hein, sur le banc de touche de Fus. Beaucoup en de remplacements. Effet, le coach essaye de trouver la meilleure combinaison possible. Ah ouais. C'est question, parfois il y a des joueurs, un jour ils ont la main, le lendemain ils la perdent. Donc il faudrait que le coach essaye de trouver le joueur qui pourra débloquer la situation en essayant différentes combinaisons de remplacement. Cette fois-ci c'est Soufflane qui est revenu. Non, c'est pas Soufflane. C'est plutôt Jaoud Darib qui a remplacé Lebanté Jordan. Jaoud Darib, numéro 6, Fus de Rabat. Ah ouais, et du côté de Bangui, c'est une fois de plus Nganamano qui est mis en repos. Ah ouais, le 9e point de Fus sur ce premier lancé. Bien joué, le nouvel rentrant, Jaoud Darib. Il faut pousser, c'est bien le pressing. Soufflane. Johnson. Qui tente une offensive à la droite. C'est bloqué, il est CR3, super. Ah ouais, à distance, c'est bien joué. Contre le cours du jeu, il surprend toute la défense de Fus. La défense de Fus que je trouve un peu passive depuis le début de la rencontre. Absolument. Contrairement à celle de Bangui qui est agressive. Il va falloir se réveiller. Et ça passe par ce tir. Super. De Soufflane Beymine. Le premier tir à 3 réussi. De Fus de Rabat depuis les 8 premières minutes. Ah ouais, la réplique malheureusement manquée. De Max Kougueré, le 22, le Bangui Sporting Club. Ah ouais, ça commence à bien bouger du côté de Fus. On cherche la solution. Attention, à la fin une tente de possession, c'est terminé la violation, laisse les 4 secondes. Ah, heureusement, le shoot. Magnifique, mais malheureusement, ça ne rentre pas en seconde chance. Il n'y parvient pas du tout. Ah ouais, on voit encore ce tir à 3, magnifique.
que l'équipe de Bangui Sporting Club est entraînée par une dame. Le coach australienne Liz Mills. Ah oui. Qui a travaillé comme entraîneur adjoint au Cameroun, entraîneur principal au Kenya. Et précédemment coach de ABC Fighters. Ah oui, elle est passée par ABC Fighters. À la dernière saison de la Basketball Club. Absolument. Femme de poigne. Qui a évité la table des marques. Peut-être qu'il y a des corrections à apporter. De la table. Un souci avec un joueur peut-être. Sans doute. Ce qui permet aux joueurs de souffler un tout petit peu. En effet, la table s'est référée aux statistiques et le commissaire de la rencontre va essayer d'aider l'arbitre à résoudre ce souci. Remplacement pour le numéro 10. De Bangui, en effet, le maillot numéro 10 n'apparaît pas sur la fiche statistique et pas ricoché sur la feuille de marque. Alors, il sera peut-être question de changer le maillot du joueur ou alors d'ajuster. Pour l'instant, il n'y a pas d'information. Le joueur il a enlevé son maillot. Peut-être qu'il n'est pas qualifié. Parce que s'il s'agissait d'un souci de numéro, cela aurait pu être changé rapidement. Mais vu que le joueur enlève son maillot, il doit peut-être y avoir un souci de qualification. Ah ouais, on peut continuer sereinement. On s'effraie. Emmanuel Malou. De Rabat, le club créé le 10 avril 1945, entraîné par Saïd El Bouzidi. Ah ouais, la pénétration, elle est bonne. Soufflan Behimin, auteur de cette magnifique action. Alors, interception. Finalement pas. Jaoud Darib. Intercepte ce ballon, mais n'en profite pas puisque c'est une sortie. Il a commis une violation. Il avait le pied sur la ligne au moment où il a voulu intercepter le ballon.
Dommage pour Fuse qui se rapproche petit à petit dans cette rencontre. 15-21 sur le score alors qu'il reste 1 minute et 16 secondes à jouer dans ce premier carton. Mise en jeu. Plus. Et après 9 secondes, temps de possession, il va falloir effectuer un shoot. Ah voilà, ça c'est bien joué. Il s'est introduit sans obstacle dans la raquette. Un peu surpris lui-même par son propre panier. Il s'attendait à ce qu'il y ait une opposition. En fait, là, les défenseurs ils sont pas venus et il a dit bah, je tire. C'est magnifique. Et l'essai à 3. Manqué. Marché, marché, direction de marché. Ah, il n'est pas d'accord, mais c'est un marché. S'il ne plaît pas, ma bif. Et il dit à la vie, c'est mon pied de pivot, j'ai mon pied de pivot qui est resté là. Alors. Non, non. Il y a une petite glissade. Ah ouais, un petit temps mort alors qu'il restait 14 secondes à jouer dans ce match. Et pour le moment, c'est toujours Bangui qui mène 21 à 17. Manuela, ils sont regardés les statistiques avant que la fin de ce premier carton. Alors, au tir, on l'a relevé tout à l'heure, Bangui 57%. De réussite, 8 tirs sur 14 rentrés. Du côté de Fus, 4 sur 12, 33%. Cela explique nettement le score. Au niveau des lancers francs, 6 sur 10 pour Fus, 2 sur 2 pour Bangui qui fait un 100%. Bangui est porté pour l'instant par Bijan Johnson, 8 points. Et de l'autre côté, c'est Soufiane Benmin qui porte son équipe avec 9 points au compteur. Ah ouais, Soufiane Benmin qui a effectuer des percussions sur la raquette et même un tir à 3, c'est justifié cette position. Lui qui a un bon impact dans la stratégie offensive de Fus. Et ça repart pour les dernières secondes, les 10 dernières. La percussion elle est bonne. Yasser. Ah ouais, faute du 17 de Fus, de Rabat, Prince, Chisson, Orissou. Ah ouais, un panier certainement le dernier dans ce carton. Oh là, ah ouais. C'est terminé pour ce premier carton, Manuela. Vous l'avez dit, on a 21 à 17 avec une bonne explosivité de Soufiane Benmin, 8 points du côté 9 points marqués du côté de Fus de Rabat. Fus de Rabat qui a du mal à entrer dans cette rencontre. Mais qui cependant tient le rythme. 17-23, l'écart ce n'est que 6 points. Nous sommes dans le premier carton, comme tu l'as dit, c'est la fin du premier carton. Le match est encore long. Fils de Rabat a le temps de se réajuster, mais pour l'instant, l'aisance est du côté de Bangui Sporting Club dans cette rencontre. Ah oui, absolument, je suis d'accord. En termes de tir à 3 depuis le début de la rencontre, Manuela, que disent les statistiques? Bangui Sporting Club est à 3 sur 9, 33%. De l'autre côté, c'est 1 sur 6, 16% pour Fus. Fus, ouais. Et il s'agit effectivement du tir de Soufiane Benmin. Ah oui, et les déchets, est-ce qu'on a des balles perdues
Bien sûr, des balles perdues du côté de Bangui 2, du côté de Fus 4. Pour l'instant, c'est plutôt modeste comparé à ce qu'on a vu hier. Ah ouais, avec des matchs à 17 balles perdues. À 25. À 25 aussi. Merci de regarder Africa 24 Sports, mesdames et messieurs. La télévision africaine, l'excellence en matière de promotion du sport africain. Africa 24 Sports qui va célébrer ses un an d'existence le 13 novembre prochain. Merci de soutenir et d'accompagner ce projet de valorisation de la jeunesse africaine, comme on peut le voir à l'instant, entre deux équipes d'Afrique centrale et d'Afrique du Nord qui cherchent des places pour les qualifications pour la Basketball Africa League saison 4. Et ça va reprendre pour le deuxième quart dans un instant. C'est parti. Zuita. Soufflana. Ah ouais. Super, Prince. Joli jeu à deux entre Prince Chisson et Soufiane Beni. Johnson. Et c'est ah ouais, Malou. C'est parfait. Malou. C'est autour de Malou. Ah ouais, et Max Kougueré. J'adore cette facilité à se retrouver sur le parquet. Du côté des joueurs de Bangui, le positionnement dans la raquette est toujours bon. On l'a dit hier, Malou c'est le plus grand de la compétition du haut de ses 2m10. Il est facile de jouer avec lui. Autant pour à 2m3, le plus grand c'est bien Ngiran de Slack, 2m10. En effet, Maodo Ngiran, 2m10. Joueur formé en Espagne qui a disputé la balle en 2019 et a terminé dans le hall balle 2019, justement. Et le crotif qui effectue une petite correction au niveau du chronomètre des tirs, qui a eu peut-être un petit retard à déclencher. On avait assisté aux sorties de Dimi Dimrabai, le 35, et d'Emmanuel Malou. Donc Emmanuel Malou, lui, est toujours sur le parquet. Attention à ses tirs. C'est bien de tenter ici. Ah ouais, Soufflane. L'un des meilleurs joueurs dans ce match, côté Fus. Débanté Jordan pour la remise en jeu. Et les joueurs qui manquent un peu dans ce match, c'est Devante Jordan, qui n'est pas très brillant depuis le début de la rencontre. Et Evans Ganapamo, ah ouais, qui est au banc depuis le premier carton. Après avoir pris une faute anti-sportive. Ouais. Alors, Zuita, le très expérimenté. Abdelhakim Zuita, MVP de la Ligue marocaine en 2023, 17,5 points et 7,6 rebonds. Max Kougueré qui refuse de laisser Bangui Sport se faire rattraper par le Fus de Rabat. Ah ouais, Débanté Jordan, tu sais, ton action, c'est bien.
Et il bénéficie d'un lancer supplémentaire. Ah oui. Il a l'occasion de positionner son équipe à 5 points d'écart. À 3 points. À 3 points, oui. D'écart. Jipan Jordan. Max Kougré cherche une solution. Ah ouais, il trouve dans la panneau. Alors, ça va pousser Dimi Dimbarabaï. Rebond pour Fus avec les Banti Jordan. Alors, ah ouais, c'est bien joué. Bon retour d'Aliou Diarra, l'ancien joueur du stade malien de Bamako. Super, super. Magnifique alley-oop. Ah ouais, magnifique alley-oop. Aliou Diarra. Pas beaucoup de conviction dans ce tir d'Aliou Diarra. Ah oui, temps mort. Demandé par Fus de Rabat. Alors que le score 31 à 26. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un des lay-up de Ganabano. Il s'agissait plutôt d'un... D'un Aléo. D'un Aléo, oui. C'est une passe directe qui conduit un panier à l'anneau. Ça peut être un dunk. Où le joueur peut se concentrer comme sur cette action. Ah oui, tout à l'heure c'était pareil avec l'action de Aliou Diarra sur une passe de Zuita. Passe directe. Et puis shoot. Ça a levé tout le monde de touche. Une de... magnifique passe. Ah ouais. Le Fus de Rabat. Ça méritait ce standing ovation. Abdelkarim El Awa et Evans Ganapamo qui retrouve petit à petit son adresse. Qu'on lui connaît. 6 points déjà pour lui. Ouais, longue passe. Et il est à 3. But à l'anneau, une tentative de battre Edin Azouga. Battre Edin Azouga, également une nouvelle recrue. Le Fus de Rabat. Le jeu un peu musclé de Timmy Jim Rabat sur Zuita. Zuita qui espérait une faute. Ah ouais, le joueur au grand gabarit. Zuita et Dim Dim Rabaï.
Xuita. Il rebalance avec Levante, c'est des longs. 3 points pour Fus. Désormais 4 points de différence. On y est presque. Il faut pousser avec la bénédiction des populations de Rabat qui nous regardent. Bangui Sporting Club, ah oui, le tir de Evans Ganapamo n'offre pas un 3 points. Alors, les bandits apprécient le dribble, la percussion, la fixation et le tir. Attention. Et la faute offensive, on a vu le petit poussé. Doucement, les amis. De Jonathan Jordan. Ah ouais, c'est... La tension monte, l'adrénaline. Jim Rabai. Ah ouais, son gabarit puissant. International centrafricain. Qui limite les intérieurs de Fus, Zuita, Aliou Diarra. Ah ouais. Ils ont beaucoup de mal face à lui. On peut repartir avec Roli Foula, le Congolais. Jordan, Johnston. Roli Foula. Il n'y en a pas mot. Et Dim Dim Rabai. La contre-offensive. Un marché sifflé. D'Abdelhakim Zuita. Il n'est pas d'accord à la décision de l'arbitre. Ce marché qui les empêche de réduire le score. L'écart de cette rencontre. Ah ouais, belle interception qui malheureusement qui ne donne rien. Malheureusement. On peut partir avec les banquiers. Tout seul, le lay-up espère qui offre deux magnifiques points. Les banquiers qui retrouvent les filets. Ah ouais, il retrouve ça superbe. Après plusieurs actions manquées. Il retrouve sa dextérité, son efficacité, sa pugnacité. Joueur combatif. Ah ouais, Nanapano qui va encore céder sa place. Situation de faute d'équipe, ah ouais. Alors qu'il reste 3 minutes au chronomètre de jeu. Ah ouais, Zuita a cédé sa place à Yacine Bayeri. Bangui pourra profiter de cette occasion qu'il leur a donnée de pouvoir mettre des lancers, de provoquer des fautes, conduirant à des lancers. Oh là, c'était bien fait. Johnson. Ah ouais. C'est plongeant. Salutaire. Dimitim Rabai. Max Kougueré. Conclure. Ah oui. Max Kougueré qui sauve ce ballon. Ah oui. Sur un plongeon. Et trouve idéalement bien placé à Dimitim Rabai. Alors je vous promettais la qualité dans ce match. Elle est au rendez-vous. Beaucoup de technique, beaucoup d'impact physique. Super. Oh, ça fait du bien ça. Les Bantes et Jordan se tirent à 3. Et on attend le plus petit inattendu écart dans cette rencontre. Un point. Un point. Entre Fus de Rabat 36. Absolument. Et Bangui Sporting Club. Absolument. 37. Absolument. Foula. Super.
ah ouais. une seconde chance. Alex Higgins. C'est Jordao Koto, semble-t-il. Alex Higgins. Ah oui, c'est bien Alex Higgins, le numéro 7 de Wangi. C'est bien ça. Badr Eddin Azouga. Beaucoup d'erreurs dans la défense de Wangi Sporting Club qui donne l'occasion à Fus de prendre des tirs à l'extérieur ou à l'intérieur facilement. Heureusement qu'on a de l'adresse dans les tirs à 3. En effet, heureusement, leur adresse leur permet de garder une avance. Rolly Fula Nganga. Ah, le banquier, cette fois-ci, c'est pas. On parlait de cette défense tout à l'heure. Après le bloc d'Aliou Diarra, le joueur il ne switch pas. Alors, c'était tir à 3. Manqué, c'était encore lui, Fula, Rolinganga. Ce petit péché dans la défense, s'il y a un bloc et que tu ne suis pas ton joueur, ton coéquipier devra pouvoir switcher. Ah oui. Le temps que les défenses se replacent. Mais non, c'est ce qui donne l'occasion justement à Jordan Devante de mettre ses paniers à mi-distance dans cette rencontre. Dim Rabaya pour le lancer franc. Ah ouais, le premier est manqué. Ah ouais, il n'y a pas de reçuite sur ces lancers. Ils sont veux, c'est normal. L'équipe n'est pas en sécurité face à la remontée rapide de Fus au tableau d'affichage. Johnson, Higgins. Et la faute offensive très appréciée des joueurs de Fus, faute de Jimmy Jim Rabaye. Qui a un jeu musclé. Ah oui. Face au grand gabarit, surtout de Fus. Ça, cela semble être sa mission. De les empêcher de jouer. Notamment Azouga, Aliou Diarra. Oui, Azouga, Abdel Lakim Zuita. Et même, ah oui, comme on peut le voir, Aliou Diarra. Ah ouais, belle ressortie. On tente une percussion. Belle défense de Wangi Sporting sur cette fin de rencontre. Ah ouais. Fin de la première mi-temps. Ils ont compris que chaque fois qu'ils donneront l'occasion, un peu d'espace aux joueurs de Fus, ce seront des paniers. Ah ouais. Il faut dire que la qualité est au rendez-vous. Et du coup, là, le match va très vite au chrono. On n'en espérait pas moins de ces deux équipes. Absolument. Qui produisent un beau jeu. On va consulter les statistiques de cette première mi-temps avec vous, Manuela Tchatchoua. Alors, Fus avec ce deuxième carton remonte à 50% dans ses tirs, 14 sur 28 réussis. Wangi Sporting 51%, 18 sur 35. Au niveau des lancers francs, 7 sur 11 pour Fus, 63%, 2 sur 4 pour Wangi Sporting Club, 50%. 16 rebonds pour Bangui, pour Fus, 16 également pour Bangui. Les passes décisives, 7 pour Fus, 9 pour Bangui. Pas beaucoup d'interceptions dans cette rencontre. C'est également dû au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pertes de balles. Également, une interception pour chaque équipe. 7 pertes de balles pour Fus contre 5 pour Bangui Sporting Club. Ah ouais. Maintenant, les performances individuelles. Alors, le meilleur marqueur de la rencontre, pour l'instant, c'est du côté de Fus avec Jonathan Devante Jordan, 11 points,
De l'autre côté, c'est Emmanuel Malou, 8 points, suivi de Bijan Johnson, 8 points également. Ah ouais. Au rebond, nous avons Mascou Guéré, 4 rebonds, contre 3 rebonds pour Edin Azouga du côté de FUS. C'est sur ces statistiques qu'on va prendre congé de nos téléspectateurs en se promettant de se retrouver dans une dizaine de minutes. Restez connectés. Le meilleur du sport, c'est sur Africa 24 Sport. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.
pour ses francs. Il réussit. Jordan Levante. Lancer franc manqué dans cette rencontre, 7 précieux points qui aura pu ramener cette équipe à un écart d'un point seulement. C'est ce qu'on disait en début de rencontre, les lancers francs manqués se paient cher à la fin. Et en fond, le bruit de tam-tam et tambour des supporters centrafricains. Ngana Pamo. Qui marque ainsi son 18e point, me semble-t-il. Exact. Meilleur marqueur dans ce match. Avec une moyenne de 18,3 points dans cette compétition et 4 rebonds. Sofiane. Sofiane, quel joueur. Malheureusement cette belle action. Et gâché par Prince Chisson. Chisson, ouais. Attention à la correctionnelle. De Bangui. Chisson, elle est bonne, là, tout seul. Oh, ouais. La passe mal troisième reçue. Troisième chance mal manquée. Reçue par Jim Rabai. Alors, la feinte magistrale. Ah ouais. Combativité gagnante. Et un banc de fus très agité. Qui ne tient pas sur son siège, en fait. Ce sera deux lancers néanmoins pour Suita. C'est bien de lui qu'il s'agit. Ouais, Prince Chisson qui va céder sa place à Aliou Diarra. International malien. Et Zuita qui est à 6 points, 3 rebonds et 2 passes décisives dans cette rencontre. Et le banc de Fus toujours debout. Toujours prêt à contester, à revendiquer. Ouais, on voit le coach de Fus se rendre à la table pour revendiquer. Toujours pas d'accord. Il est lancé sans manquer par Zuita. Saïd El Bouzidi, le coach de Fus. Et Evans Ganapano qui fait la passe à Aliou Diarra pour cette contre-attaque de Fus de Rabat. Aliou Diarra, Zuta, l'infatigable. Et la faute de Rolly Foula. Ouais. Qui préfère envoyer Zuita sur la ligne de lancer franc. On imagine. Espérant qu'il sera plus adroit sur cette série que sur la précédente. On
imagine qu'il y aura des contestations à la fin de la rencontre du côté FUS. On est plutôt satisfait du côté Bangui Sporting Club, de la qualité de l'arbitrage. Les acteurs nous le diront en conférence de presse juste après. Et Zuita qui vient de manquer 4 lancers d'affilée. Je le disais tout à l'heure, ça se paiera dans cette fin de match. Peut-être lié aussi à la nervosité. Zuita, ancien joueur de l'AS Salé, un autre club marocain qui a déjà disputé la Basketball Africa League. Un peu forcé de Malou. Ah ouais, mieux. Sofiane. Ah ouais, le cardio est bon. Alors, il est de toutes les actions. 5 points d'écart dans cette rencontre. Alors qu'il reste 3 minutes 55 secondes à jouer. Le banc de FUS très motivé. Alors, Soufiane dans cette rencontre en 27 minutes et 51 secondes, c'est 11 points, un rebond et une passe décisive. Intéressons-nous un peu aux joueurs, le meneur de jeu de FUS. Jonathan Devante. Ouais. Jordan, 19 points de rebond, 5 passes décisives avec une moyenne de 18 points dans cette compétition. Ah oui, ce qui m'intéresse aussi, c'est le nombre de temps joué, 33 minutes. En effet, une moyenne de 33 minutes, 16 secondes dans cette compétition. Ah ouais, le joueur des plus utilisés côté FUS. Très peu remplacé. Tout comme le numéro 4 de Bangui Sporting Club, Jordan Bijan, Jordan Bijan. Bijan Johnson plutôt cette fois. Bijan. Johnson Bijan. Ouais. 25 minutes et 10 secondes en moyenne dans cette compétition. C'est ça. Une moyenne de 10 points dans la compétition et sur cette rencontre, 9 points, 5 rebonds et 8 passes décisives. Ouais. Ah ouais, cette fois c'est dedans pour Zuita. Et FUS qui revient à 4 points alors qu'il reste 3 minutes et 27 secondes dans cette rencontre. Attention à cette. Et la balle qu'il ne fallait pas perdre. La balle qu'il fallait pas perdre. Le contre. Et le joli contre. Le joli, magnifique contre. Le Fula, me semble-t-il. Oui, c'est bien lui. Non, c'est plutôt Malou. De Malou. Emmanuel qui vient sauver son équipe de moins 2. Et le retour avait-il de Alex, raison Alex Higgins. Ouais, c'est le moment de jouer le Vatou. Higgins mettre les effectifs reviennent sur le terrain. Alors c'est le moment de concrétiser les lancers francs, les lancers francs pour lesquels FUS a pêché dans ce quatrième quart temps. Ah ouais. Et continue de pêcher. Emmanuel Malou avait raison de le stopper. Puisque s'il avait marqué, ça aurait fait 2 points. Et là maintenant, peut-être ça ne fera qu'un point. Même pas. 6 lancers d'affilée manqués pour
pour plus de rabat. Ah ouais, c'est pas bon du tout. Ça va se payer cher. Ah ouais, avant de contester l'arbitrage, il faudrait en tenir compte. En effet. Les balles perdues. Et les lancers francs manqués. Ouais, résultat. Le rebond. Oh, il est bon ce gars, il est bon. J'adore sa façon de dribbler, de porter la balle. Ses feintes et autres. Débanté, Jordan. Super. Le 11, et décisif. Deux points au forceps. L'infatigable Zuita. Abdelhakim. Kamayenge. Super. Une véritable bouffée d'oxygène pour Bangui Sporting Club. Il en avait besoin en ce moment. Il s'est un peu laissé aller dans ces deux dernières minutes. Attention à la réplique. Soufiane. La machine à jouer, l'infatigable. Qu'est-ce qu'il va faire? La percussion. Et le layup. C'est dedans. 74 à 77, alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Contrée. On revient. Soufflane pour la contre-attaque. Et Suita. Aliou Diarra. Ballon perdu. Le très véloce. Dim Rabaï était là. Kamayenge dans une tentative très acrobatique de mettre ce panier désespéré. Reçoit en récompense. Ça me rappelle une joueuse du championnat camerounais de basketball. Vous imaginez qui? Josiane Tchemeleu. Josiane Tchemeleu, effectivement. Attention les amis. Pas de nervosité. Comment ne pas être nerveux quand il n'y a que 3 points qui vous séparent de la victoire? On n'est pas en boxe. Pour le moment, on reste en basket. On va se calmer. Et la faute technique pour Jimmy Dinrabaï. Qui pénalise son équipe au money time. Pas très malin de sa part. Un lancer franc peut faire toute la différence. Absolument. Et comme on le disait hier, avant d'effectuer les deux lancers francs de Kamayenge, on commence par les lancers francs de la faute technique attribué à Jimmy Dinrabaï. Ah ouais, c'est dedans, c'est bien. Devante Jordan. Un lancer de part et d'autre, c'est bien ça. Deux lancers francs pour Kamayenge. Le lancer franc qu'a effectué Jordan Devante résultait de la faute technique attribué à Jimmy Dinrabaï. Et on l'a dit, lorsqu'il y a plusieurs séries de lancers francs et que parmi cette série, il y a des lancers francs résultant d'une faute technique, on commence par les lancers francs de la faute technique. Ah oui, la faute technique est prioritaire. D'accord. Et on revient aux lancers francs résultant des fautes normales. Ah ouais, c'est violent. On refait les quarts à 3. À 1 minute 26 du coup de sifflet final. Et 4 points d'écart. 75 à 79 pour Bangui Sporting Club. Très beau jeu collectif de la part de cette équipe. Oh là, le dunk magistral magnifique d'Aliou Diarra. Aliou Diarra, le malien. Devante Jordan. Des petits déchets comme ça qui peuvent se payer très cher à ce moment de la rencontre. Alors qu'il n'y a que 2 points qui séparent ces deux équipes.
commissaire qui demande sûrement à l'arbitre de rappeler au banc de Bangui de rester assis. Au banc de Fus, pardon, de rester assis. Un banc très animé. Ah ouais, c'est vraiment 2 points de différence. À 44 secondes de la fin. Peut-être voilà l'égalisation. Et ce sera un rebond. On a perdu un rebond. Et la faute. La faute. Et ah ouais. Fus, qui n'est qu'à sa 3e faute d'équipe. On gagnera à perdre des secondes. Kamaege qui prend son temps. Il laisse le chrono s'écrouler. Alors, le chrono est bloqué à 20 secondes. Le temps d'une possession et c'est la fin. Et une faute technique à nouveau pour Fus. Décidément, cette équipe ne fera pas de rencontre sans être sanctionnée de faute de comportement du coach. Je crois que c'est la deuxième. Si c'est la deuxième, il devra libérer le banc. Ouais. Le coach, l'ancien coach de l'AS Salé en colère. Et le coach qui doit. Oui, il libère le banc. Il libère le banc, ouais. Oui, 2 fautes techniques de coach. Il ne verra pas les 20 dernières secondes de la rencontre. C'est oui, dans les vestiaires. Et maintenant, de lancer franc pour Jimmy Dimrabai. Résultant de la faute de temps contestée par le banc, le coach de Fus de Rabat. Ce n'est pas encore fini, il faut marquer le lancer franc pour s'assurer la victoire. 20 secondes, tout peut se faire en 20 secondes. Et le temps mort pour Fus de Rabat qui effectuera probablement pour planifier les 20 dernières secondes sa sortie de balle en zone avant pour marquer le plus rapidement possible et avoir la possibilité de défendre, intercepter le ballon ou avoir encore un peu de temps pour pouvoir revenir au score dans cette rencontre pour une égalité ou alors passer devant Bangui Sporting Club. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, on se parlait pour le ballon d'espoir, Yaoundé. Du suspense. Quasiment toutes les rencontres. J'imagine que vous êtes heureux de vivre cela sur Africa 24 Sports. Le média partenaire officiel. Qui vous propose en direct de Yaoundé au Cameroun cette compétition internationale qui délivrera 3 places de qualification à la Basketball Africa League. 7 pays sont en rivalité pour ces 3 tickets. Et pour le moment, Bangui Sporting Club tient le bon bout. Et Bangui chante déjà les supporters de Bangui. Ah ouais, les joueurs qui demandent aux joueurs d'entonner, de lever la voix.
les supporters centrafricains. La Centrafrique aux rencontres a de bien basketball. L'impression de voler à domicile alors que le coach est revenu. C'est pas du tout conforme. S'il est revenu, c'est que probablement ce n'était pas deux fautes de type C, des fautes de coach, mais peut-être des fautes de banc. Attention à cette perte de balle. Non, perte c'est pas le moment. Balle. C'est pas le moment. Malvenu. Oh, mais heureusement, il conserve le ballon. Sur cette situation d'entre deux, la flèche de possession alternée indique que c'est Fus qui conserve la possession de la balle. Et un autre temps mort pour Fus. Petite bourde Dante Jordan. Ah ouais, alors qu'on peut voir le coach Elis. Qui va se payer cher. Il va se payer cher dans cette fin de rencontre. 14 secondes à jouer, 77-81. 14 secondes éteignables. On imagine les supporters de Fus qui nous suivent en ligne sur la page YouTube de la FIBA Afrique. On imagine que c'est difficile à tenir l'émotion. 14 secondes pour égaliser et remporter la rencontre. Est-ce que vous y croyez? Réagissez et partagez le direct. Ça se passe en direct du Cameroun. Et juste après, l'équipe du Cameroun, justement, va faire son entrée. Les forces armées police qui vont affronter Al-Ali Benghazi, le club libyen. Un autre choc important auquel nous vous convions. Ne raccrochez surtout pas. Non, ça va repartir pour les 14 dernières secondes entre Fus et Bangui Sporting Club. Le ménard de jouer, déventé. Ah oui, c'est dedans. Encore 9 secondes à jouer. La faute de Edin Azouga. Et 4 points à remonter. Je pense que les carottes sont cuites. Non, non, désormais 2 points. 2 points. Ah oui, désormais 2 points. Avec cette action de Jordan, de Fus. Et ah, temps mort. Bangui Sporting Club. Oh là. Ça se passe sur Africa 24 Sport, la télévision africaine, le partenariat de FIBA Afrique et la Fédération Camerounaise de basketball. BCAGS, c'est bien l'association qui a donné naissance à Bangui Sporting Club. Bangui Sporting Club qui est dirigé par un ancien basketteur en la personne de Cyril Damango, ancien international centrafricain justement. Et c'est Bangui Sporting Club qui est organisateur de ce tournoi en partenariat avec la Fédération Camerounaise de basketball. Fin du temps mort pour les 9 dernières secondes. Évidemment, nous tenterons d'avoir une interview dans les tout prochains jours. Cyril Damango, l'organisateur de la compétition. Pour faire un bilan de la compétition, vous aurez l'interview sur Africa 24 Sport dans l'émission Sport 24. Lancé franc de Bangui Serati. Très dangereux dans cette fin de rencontre. Les lancers francs manqués se paieront cher, que ce soit dans l'une ou l'autre des équipes. Ah ouais, c'est dedans. 3 points d'écart.
Alors, Fus a une seule chose à faire, c'est d'essayer un tir à 3. Tenter d'égaliser. Et c'est fait. Égalisation. Et on voit l'émotion chez les supporters. Ah ouais. On se dirige droit vers l'overtime. Ah oui, revirement de situation. Evan Ganapano qui... Les Marocains auraient dû mettre ses deux lancers pour éviter cette situation. Qui récoltent les fruits de leur foi, de leur croyance, de leur espérance. Et c'est ah ouais. Une et prolongation qui nous attendons. C'est la prolongation, l'overtime. Opposant Fus de Rabat à Bangui Sporting Club, égalité. Oh, quel match. 22 à la fin du quatrième quart. Quel match. Cette égalisation a tout de même le mérite de prolonger le plaisir. En effet, on le disait, les lancers francs manqués se payent pour Bangui surtout, qui avait le moyen d'engranger sa deuxième victoire d'affilée dans cette compétition Road to Ball Elite 16. Sans grand mal. Ah ouais, ça va reprendre dans un instant. Merci de commenter, les amis. On salue ceux qui nous regardent sur la page YouTube. On salue Aminovic. On est bien content de vivre ce que nous vivons, cet overtime. On salue Malik Machuka Babaye, supporter de Bangui Sporting Club. On salue Mouad Zahi Oumaina Bouhassan, merci de nous suivre en direct. Hamza Selmi, ah ouais, c'est bien Fus qui ouvre les hostilités. Et prend la tête de cette rencontre. Absolument. Par un écart de 3 points. Crozon Symphorien, merci de nous suivre en direct. Naïm Dine, Fatima Ezara. Action d'éclat, malheureusement sans finalité. Et la pression est maintenant du côté de Bangui. Ouais. Ah ouais, un gros moral. Gros moral côté Fus. Ils y ont cru jusqu'au bout. Fus qui a cette belle énergie. On salue Zahia Laziad qui nous suit en direct. Et c'est la quatrième faute pour Jimmy Dinrabaye.
Oumaina Bouhassan, merci de nous suivre en direct également. Ah ouais, Aliou Diarra qui fait l'affaire sur ce lancer franc. Qui marque la lancée au bon moment. Ce n'est pas le moment de rater les lancers francs. Cela a failli leur être fatal dans le quatrième carton. 1 sur 2. Et le ballon revient à Fus. Yaya Laziada, merci de nous suivre. Alors, Bangui semble avoir perdu son rythme dans cette rencontre. Ah ouais, Bangui a complètement désorienté dans cet overtime alors que les minutes ou les secondes s'égrènent. Alban Godi, heureux de vous savoir que vous êtes connecté. Malou qui récupère ce rebond. Dimitri Mrabat qui manque le 3 points. Et Fus qui peut souffler. Ah ouais, Fus qui peut souffler. Dans cette rencontre avec cette marge de 4 points. Le bras roulé trop court de Soufiane. Ronald Oguier, Mouad Zahir, merci de nous suivre en direct sur Africa 24 Sport et sur la page YouTube de la FIBA Afrique. Ils sont nombreux, Magnola, qui nous écoutent du côté du Maroc et même de la Centrafrique. Nous vivons une magnifique rencontre entre Bangui Sporting Club et Fus de Rabat. On s'y attendait, peut-être pas à ce point. Une rencontre très disputée entre ces deux équipes qui ne lâchent rien. Deux minutes à 18 à tenir. Déventé de tueur silencieux de Fus. Ah ouais. Attention. On salue Jackson Kota. Alors, dans cette rencontre, en 33 minutes et 27 secondes, Déventé Jordan est à 28 points de rebond et 6 passes décisives. Alors, il est parti tout seul. Waouh! C'est super, c'est magnifique. Johnson qui porte Bangui. Égalité. À l'égalisation. À nouveau. Dans cette. Qui torse davantage l'issue de la rencontre. Et les débats se font sur les réseaux sociaux. Sur les pages digitales d'Africa 24. Africa 24 Sport. Et de FIBA Afrique. Levanté, attention à la perte de balle. Et il la perd. Il la perd suite à une violation du chronomètre de tir. Il a conservé un peu trop cette balle. Et Bangui qui a l'occasion de reprendre la main avec cette attaque qu'il faudra absolument concrétiser. Et le shoot Malou. À 3, Malou, Emmanuel. Et c'est Alex Higuis qui récupère le ballon pour mieux le perdre au profit de Jordan Devante. Ah ouais, il reste une minute. 14. Magnola, qu'est-ce qui se passerait si on arrivait encore à une égalité à l'issue des. Eh bien, de ces on enchaînerait autant de prolongations de 5 minutes jusqu'à ce qu'on ait un vainqueur dans cette rencontre. Bon à savoir. Gaius Gala, supporter de Bangui Sporting Club, merci de nous regarder. Léon King. Et c'est Abdelkarim. Il dit allez les fauves. Awa. Du Bazou Bangui. Qui fait son entrée.
à la place de Jordan Devante qui doit souffler un peu. Qui doit souffler un peu, oui, il a beaucoup donné. Il a beaucoup Magnola. Est-ce qu'on peut voir les statistiques de ce joueur? Le nombre de temps en moyenne qu'il dispute. Brahim Bahij. Et un airball malvenu d'Aliou Diarra. Oui. Alors, pour Devante, en moyenne, c'est 33 minutes ouais, et 16 secondes dans cette compétition. Pour cette rencontre, il est à 35 minutes, 35 minutes. Et 28 secondes. Ah ouais. Il aura beaucoup donné dans ce match. Aliou Diarra qui manque les lancers. Aliou Diarra, c'est pas le moment. Aliou Diarra. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas tolérable pour un joueur de son calibre de manquer des lancers. Dans cette phase de jeu, il est dangereux. Johnson là. Attention. Dimirbaï et cet essai à 3. Ravageur. Marquement. Okay, et Aliou Diarra. Aliou Diarra là au rebond. C'est magnifique. On se relance avec l'infatigable. Soufliane Behimine. Soufliane Behimine, il veut partir tout seul. Et là Léo. Ah ouais, c'est Aliou Diarra à la conclusion. Le joueur malien de cette équipe marocaine. Nous célébrons l'Afrique et ses valeurs. Ça fait du bien de voir de tels spectacles sur le continent. Attention, attention. Oh, c'est manqué. 7 secondes à jouer. Et c'est Fus de Rabat qui est bien parti. Pour remporter la manche. 88 à 86. 3 secondes à jouer. Et 2 lancers francs pour Soufiane. Ah ouais, juste après, une autre rencontre explosive entre Al-Ali Benghazi et Forces Armées et Police. Ce sera la première sortie de Al-Ali dans cette compétition. Partagez le direct, s'il vous plaît. Répandez-le à travers l'Afrique et ailleurs. Tous les espoirs de Fus sont derrière Soufiane. Benmin sur ses lancers. Ah ouais. Mettre les deux lancers. C'est bien fait. Serait la victoire de Fus. C'est la victoire de Fus. Rien à dire. Fus vainqueur de ce match. Et je dirais que c'est bien mérité. C'est le mérite de la foi, de l'espérance. Et naturellement, un temps mort pour Bangui qui va essayer de rapprocher le ballon du panier adverse. Ah ouais, c'est terminé. Belle preuve de... C'est terminé. De résilience. 3 secondes à jouer. De la part de Fus. Avec un banc un peu agité. Mais cette équipe aura tenu bon jusqu'à la fin. Redoul Komayan, merci de nous regarder. L'Asie Chef. Christian, il ne reste plus beaucoup de choix pour cette équipe de Bangui. Qui, même si elle marque un 3 points, devra espérer une faute derrière. Pour avoir un lancer franc et l'occasion de revenir à égalité. Redoul Komayan. Merci. Nous suivons en direct. Pas besoin de défendre sur cette action. Ah ouais. Pour Fus. Une chose à faire, c'est de tirer. Pour les 3 dernières secondes. Ah ouais, malheureusement. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Ah ouais, magnifique victoire de Fus. À 86, victoire de Fus de Rabat. 10 à 89, un point d'écart. Ah ouais, un point d'écart, 10 à 89, merci Emmanuela. Un point d'écart. Oh, quel match. Quel match. On va consulter les statistiques. Alors, individuellement, le meilleur marqueur de Vonté, Jordan, 28 points. Dans cette rencontre du côté de Bangui Sporting Club, c'est Evan Ganapano, 20 points. Jimmy Dimrabai qui domine au rebond avec
11 rebonds. Aliou Diarra, 9 rebonds de son côté. Bijan Johnson, 8 passes décisives qui n'auront pas servi à faire gagner son équipe dans cette rencontre très disputée entre le FUS de Rabat et Bangui Sporting Club. Alors Christian, on l'a dit, les lancers francs manqués. Ah ouais, de FUS, il y en a de beaucoup eu. Ouais. Effectivement, mais c'est surtout ceux de Bangui. Vous pouvez voir vivre la fête. À la dernière minute du quatrième carton, Evans Galapano qui n'a pas réussi à mettre ses deux lancers. Et FUS arrache cette victoire. Ah ouais. Lourdement méritée. Ah ouais, félicitations à FUS de Rabat. On ne se décourage pas côté Bangui Sporting Club. La compétition n'est pas terminée. Il y a encore des places à grappiller pour les demi-finales. Et ce sera contre Slack. Ce sera contre demain. Slack. Ah ouais. Bravo FUS. Bravo au public marocain qui nous suit en direct. Un big up. Encouragement à Soufiane, au public centrafricain. Qui a fait un très gros match, très grosse rencontre de sa part. Il s'est dévoué pour son équipe. Ah offensivement, ouais. Défensivement, c'était une performance XXL pour ouais, ce tout joueur. Comme Jordan Levante. Ah ouais, on verra un bel impact. Je prends le touche de Bangui Sporting Club. Le banc de touche qui aura contribué à 21 points dans ce match. Contre 13 côté de FUS. Sur les points marqués à la suite des ballons perdus, aura été plus adroit ou bien aura mieux corrigé les actions